User joined your Nafia, t'es channel. revenu? User joined your channel. Yeah. Bah ouais, il est revenu. Ça répond pas. Ceux qui peuvent cleave, vous... vous faites du cleave au maximum. Faut pas que ça pourrisse trop votre DPS mono. Si ça divise votre DPS mono par 2, c'est pas la peine. Par contre, tous ceux qui ont du cleave ou des dots à mettre, vous les mettez sur la 2. Faudrait qu'on le passe. Pas possible en fait. Comment ça? Ouais, comme j'expliquais tout à l'heure, les boss ils bougent et des fois on n'a plus à portée. Et bah vous démerdez, vous déplacez. Mais non, on peut pas. Il y a la tempête par exemple. Bah, moi j'ai juste un 2 tarif rechange, c'est pour fond. Bah je vois pas où est le problème. Ouais, mais c'est que tu l'as pas forcément à portée. Il est pas à 100% de time, c'est pas grave, mais quand, oui. Arrive à, quand on arrive à packer les deux, ce qui arrive assez souvent, on essaye de se repacker à chaque fois. Les tanks qui font gaffe, ils essaient de pas trop déplacer le truc, et toi, si jamais tu dois faire deux pas pour aller mettre ton dot, là tu le fais. Ton attaque cirque. Bah, je sais que c'est pas évident, mais bon, faites un effort, les tanks et les DPS, les CAC aussi, vous démerdez. Mais qu'est-ce qui vous force à bouger les tanks en fait? Et l'hitbox, ça doit être petite, et du coup, quand il recule, le boss avance. Ouais, et on sur eux. Une hitbox mini. Placez-vous là. Faut qu'il en soit, faut que l'AD tombe plus. Ou sinon, les tanks, au lieu de faire un backpad, faites en strafe, comme ça, je sais pas. Bah ouais, vas-y, backpad. Hein. Bah non, mais sur... au final, le strafe dream, ça c'est pas forcément une meilleure idée, ça continue à proc les dégâts pendant la tempête. Hein. Ah, mais tu fais un strafe. Non, mais en fait, le boss il bouge pas pendant la tempête, on fait un pas en arrière, un pas en avant, c'est pas ça le problème. C'est le lad qui caste son cône, on est obligé à le. Là, à l'infia au moins, on strafe sur le côté. Mais juste le fait de faire un strafe genre à gauche, bah du coup des fois là il nous touche tous les deux, donc moi j'étais à gauche de l'infia donc il doit faire un plus grand pas à gauche. Alors esquiver sa void plus ma void et du coup bah là c'est là, là il part instant à gauche au lieu de juste se décaler tu vois. Il est temps que vous faites au mieux pour les cacs, et les cacs, vous faites l'effort de vous déplacer pour claquer vos dots. Ouais, j'ai pas dit le contraire. Dreams, tu fais deux pas et tu te démerdes pour aller mettre ton dot là. Ouais, mais des fois c'est 4 packs, faut faire 5. Enfin, bon. Juste une petite question, je suis le seul à avoir du lag ou pas? J'ai l'impression que tu dis ça ouais. Tous les soirs depuis. Ouais. Bah ouais, mais je sais pas si c'est lié au fait du message de Blizzard qui dit qu'il y a des gens qui ont de la latence ou des décos. Mais ma latence elle fait que monter quoi, c'est relou. Bah moi aussi j'ai des petits lags en moins, t'inquiète pas. Bah moi c'est pas des petits lags en fait, ça fait que monter. Ça Raziel. Monte une MS par une MS quoi, et là mais je suis à 130. Voilà, je suis à 130. Tant que ça atteint pas les 150, ça va, mais au-delà, ça devient compliqué. Là, je suis à 130, donc ça va. Ça passe. Et vous êtes chez Orange ou pas? Oui. Ok, bah c'est peut-être ouais. Ça alors. J'espère que tout le monde est passé. Mais Orex, c'est mon poteau là. Oui, t'inquiète, mais je vais aider juste à ce jeu. D'ailleurs, les casters, y'a Xou et Chorizo qui ont eu une bonne four, idée. Attends. Un petit peu sur la gauche, s'il te plaît. Ah, mais y'a Dream, c'est ma gauche, mec, hein. Pas la peine de ravancer les gens. On dispel Canox dès que la tempête commence. Hein. L'invisibilité elle dispelle la frappe annihilante. Eh oui, bah oui. Oh Eldri, c'était pas quoi mal hein, ça.
Pourquoi? Bah parce que t'as transfert et t'as, du coup t'as pris 100% de TPV en 1 seconde. Tu arrêtes, hein. Non, c'est l'année. La strike qui me tue. Ouais. T'as cassé les dents. Pour papa de sauter. Évitez plus les frappes, les gars. Bon, papa, s'il vous plaît. Que je peux avoir stats, s'il vous plaît. Reste sur. Ok. Pas qu'il évite au bleu. Je pense qu'il faudrait un SLTS, toi, King. Parce qu'il n'y avait pas le marteau alors. Je pense qu'il faudrait un SLT à Spacking parce que les dégâts que tout le monde non, prend non, qui sont éloignés il y a Frankie AM, ça suffit, mais et c'est juste qu'il faut passer avant. Il y aura c'est trop un tard. Faut qu'au moment où le marteau pop, on soit pas que au bleu, c'est ce que j'ai dit à Henry. Mais si vous voulez cliff plus sur l'AD, allez-y. D'accord, parce qu'ils sont pas partis de laisser les. Ouais, ah, Henry est mort là aussi, ça joue okay. Beaucoup. Ouais. Donc, Orek, le transfert me fait prendre 0 dégâts de déplacement. Et la frappe. La frappe, tu m'as tué. Ok, ok. Tu auras un res. Nice. Non, non, mais vu qu'il s'est fait one shot, je pensais que c'était ça. Libérez pas. C'est bon, t'as entendu. Mais livré. Et du coup, comment ça se passe avec le portail des morts? C'est pareil? Oui, c'est pareil, bah oui, évidemment. Non, c'est une question. Non, tu peux taper, je crois. Ça faisait prendre les voids alors. Non, mais les portails démo, c'est juste pour vous faire crever. Bon, sans chercher pas, si vous prenez le portail démo, c'est pour vous suicider. Donc, Osef, tu meurs pendant le trajet ou en arrivant. Voilà, ouais. Tu meurs sur le trajet en arrivant, exactement. C'est que vous êtes mort en général. À moins que vous jouiez mage et que vous arriviez à prendre le portail démo et IB sur la demi-seconde qui suit. Du coup, ouais, t'es sûr. On va changer le placement des gens. Les trois mages vous venez à droite et les druides vous allez à droite. Ceux qui ont un transfert ils vont à droite et les autres vont à gauche. Ça fera moins de déplacements à faire pour rejoindre le carré. En principe. Ah mon poteau. Et du coup c'est ça que je voulais dire. Xu il a trouvé une bonne idée, il a mis un poteau pour retrouver son placement. Il y a Chorizo qui met un feu de cuisine. Oui mais ça va, le placement, moi je suis repéré avec les carrés au sol. C'est bon. Mais, non mais c'est, le truc c'est que du coup ça permet aux gens de se replacer sans avoir... Non, il y a un add-on qui permet de mettre une flèche à ton emplacement. Ça s'appelle RT Arrow. Ils ont juste fait tout. Ça fait partie d'exercice à tout, donc faites RT Arrow, vous avez joué des mots. C'est clair. Donc ton Nosmoldot, tu mettais vrille. Putain, mais oui, c'est ça, t'as fait le change de perso. Mais du coup, on est plus à gauche que tout à l'heure, non? Avec les changements. Ouais, mais d'ailleurs, on est à droite, là, je suis juste en train de prêcher. Et les gars, y'a que 4 cacs là. Comment vous pouvez ne pas y arriver? Bah, t'as vu la hitbox du boss ou pas? Genre, clique sur le boss, regarde la hitbox. Et bah, vous arrêtez de taper, enfin. Bah vous démarrez, vous êtes que 4, y'a aucune ville qui a aussi peu de cac. Ouais y'a deux tanks. Okay. Non mais après là honnêtement les cacs, faites comme vous faites là actuellement, vous prenez pas d'extra damage, enfin moi ça me va là, vous prenez pas trop cher, c'est bon. Je vois pas le souci niveau cac, moi je sais pas, je trouve que ça se passe bien quoi. Bah oui là ça se passe bien, honnêtement vous prenez pas trop de dégâts donc ça se passe très bien, continuez comme après, ça. Après Canox, me dis pas la hitbox parce que de toute façon je suis déjà à max donc... Et je me plains pas envers toi Raziel du tout. Non, mais je te le dis, j'essaie de me replacer au mieux à chaque fois mais j'ai pas de place hein. User in your channel timed out. Pas de pool, y'a un chime out. Okay. Et Garry Tosef, pool. Bah c'est trop tard, il a cancel. Tu peux relancer Sako? Oh, ouais, Saku, ouais. Saku, tu peux mettre une gate du bleu à la sortie de la salle, enfin à l'entrée de la salle, genre pour suicider. Ok. Et l'autre gate, bah faudra. Du coup, on pull ou pas? Parce que là. Oui, on pull. 5, 4, 3, 2, 1. Stop, prêt pour. Thank you.
Pas la peine de réavancer les gens. Et placé. La vidéo que t'as linkée, il serait pas au début, elle fait pas trop de dégâts, on peut se remplacer, c'est pas grave. Avancez, mettez-vous au maximum dans le marteau les gars. Très très bien. Vous n'hésitez pas à céder perso là-dessus, on dispelle Freak, nice. Parfait sur sa coup, c'est très bien. Reste sur Nunu, nice. Et il a en ce moment. Très bien, Razel. Bougez plus, hein. Oh là là. Ok. Et c'est la frappe, passer, et ensuite on va se passer. Allez, tout le monde sur bleu. De l'Andromède. Allez, tranquille, c'est des persos là, tout le monde. On dispel l'île, vite sur sa coup. Très bien joué, très très bien joué. Et les fonds de corruption au violet, c'est tout. Allez, vite les fontaines. Ah, pas mal d'avance, c'est bien. Passez-vous vite. Non, attends. Oui. Dans 10 secondes. Le prochain marteau, on a la barrière, le RC et le SLT maintenant. Allez, maintenant, RC. On fait tous les CD là. C'est parti. Spot. Dispel. Quoi? Bah, le boss il a eu le debuff. Ou... Ouais, putain, les kills, les gars, on a oublié. On a pas prévu de retard. Non, je le vois. Comment il va? Non, il est bien. Ah, c'est vrai qu'on a pu le descendre un peu plus. De toute façon, on a le DPS, t'as bien vu, Rek, on peut le tuer un peu plus en P1 là. Ouais, vous pouvez gratter 10% là. Ouais. Ah. Si vous y arrivez, bah attendez. Ah, essayez de reset là. Ouais. Ouais, ça. Your pathetic defeat was inevitable. DPS qu'on a là. Le DPS qu'on a là. DPS qu'ont les guildes comme From Scratch et Medium au bout de 1 minute de fight. On est vraiment bien au niveau du DPS. Y'a un res ou pas? Non. On m'entend quand je parle ou pas? Ouais, mais on t'entend beaucoup plus bas qu'avant, Eldritch, je te promets. Ton micro, ouais. Il est pas, ton micro il est pourri. C'est mieux là? Avant, là. Ah, carrément, ouais, beaucoup mieux. Et les cuts pour que les CAC soient pas embêtés avec la range. Parce qu'apparemment, parfois il est un peu hors portée le mob si vous restez au CAC de Velary. Ça va être les chamans et Eon qui vont s'en occuper. Donc Canox, il fallait jouer notre classe et je voulais pas le faire. Oui, voilà, Dream, je sais que tu pourras pas kick. Comment ça, tu perds du DPS à mort? Mais pas pour kick, abruti. Ah, ok. Donc les kicks. Canox en 1, Xou en 2, Izzy en 3, Canox surprend en 4, Xou en 5. On doit prendre Jarek à 2, hein, je pense. À 2 ils, ouais. Sont tous les... ils sont longs. Entre Shaman. Moi normalement, 1 je peux faire un peu plus de vitesse. À chaque kick, elle prend 20% de cast. Hein. Pardon? Oui, après. À chaque kick, elle prend 20% de vitesse de cast. Ouais, c'est la vitesse, c'est 2. Pas le CD. Ouais. Aggro.
Je vais mourir, je vais mourir. Vous savez quoi? Non, je vais mourir. Non, ouais, meurs. Mourez, tous ceux qui ont héros, mourez. Et on va le faire ce pack, ça me saoule là. On va prendre 5 minutes. Ouais, donc Canox et Xou, vous deux. Il y a tout le raid là-bas, go. Tout le raid, ouais, la moitié. Dites-moi quoi, tu joues en raid. Dégagez de là. Ah, mourez, enfin. Dégagez de là. Non, au pire, il y a pas un temps qui va arriver qu'on les fasse, non? Non, mais ils vont arriver, on va rester tout le monde, on va venir les faire. Bon, là, c'est pas mal. Je mets Res Manu, s'il vous plaît. Ouais, bon, c'est la P3 qui va être compliquée, hein, mais je vous rassure. La P2, elle est pas mal avancée, là. Enfin... C'est pas mal. Si... Après, si on a le DPS, là, bah. Elle est terminée. Hein. Honnêtement, le marteau là, il y a eu une mort, parce que je pense qu'il y a eu. C'était un peu la panique, il y a eu des fontaines de corruption dans le raid, ça a fait des extra damage. Et c'est tout, mais. Si on passe ce marteau, après il y a plus de dégâts, enfin il y a plus de dégâts. Il y a plus de gros dégâts jusqu'à la P3. Ouais, t'es pas mal. Non, normalement si après ce marteau, si vous avez le DPS, on passe en P3. On avait de l'avance en P1, tu veux pas qu'on attribue un mec qui switch sur l'AD à un instant T si on estime qu'on a assez de DPS? Et à quel point on avait de l'avance? Vous estimez qu'on avait de l'avance parce que le deuxième édict était propre dans Oui, instant, en fait, il faut qu'on passe en P2. Je sais, un seul édict, mais Vous avez le droit à passer en P2 5 secondes avant l'édict, pas plus. Parce qu'après, il faut quand même le temps qu'on aille se placer au bleu et que Harry puisse tranquille, tout ça. Enfin, si tout le monde n'est pas au bleu, paquet dans l'édict, ça commence à faire mal. Est-ce qu'avant de claquer la BL, tout ça sur la P2, genre les War et les Hun, quand on a des execs, on switcherait pas sur l'AD avant que les gros CD soient lâchés? Si, vous pouvez caler des execs. Non, en P2, non, pardon. Non, pas en P2. En P2, en P1, aucun DPS sur l'AD, c'est terminé. Si vous voulez, en P1, vous grattez quelques secondes. Et c'est tout. Donc, je répète pour la P2 pour que tout le monde soit bien au clair. On est tous au bleu. Quand vous avez le debuff Font of Corruption, vous allez au violet. Et surtout, très important, quand votre debuff Font of Corruption s'en va, vous bougez du violet. Mais genre pas 2 minutes après, instant. Parce que si le boss fait un seul cast alors que vous n'avez plus de debuff et que vous êtes au violet, vous êtes mort. C'est juste ça. On fait les aides ou pas? On y va, allez. Ah ouais. Faites la télé. Oui, pardon, le pack derrière, ouais. Tout le monde au pack derrière, là, vite. Ouais, tu bailes là-dessus? Ouais, on fait un reset du boss. Laissez-moi faire le premier stun quand il passe. Ouais, bah oui. Non, mais laissez un pal, quoi, c'est nous qui avons les plus longs. Hein. Moi, je peux aller comme ça deux fois avec mon putain G5 que ce soit en timer. Ok. Vas-y, on cancel là. Je fais stun. Je fais le prochain, c'est fait. On peut faire encore le prochain cancel. On tue un, les gars. Ah, oh, voilà, c'est mort. Ah, ouais. Ouais, ouais tuez-les. Le bon, bot, ouais. Un peu après, ça aurait été mieux, quoi. Que moi, désolé. S'il y a d'autres ingés, on peut faire la strat avec plein d'ingés, ça marche complètement, je pense. Ouais, bah oui. Et on va faire une strat pour les trash. Oui, oui, oui. On n'a pas de timer encore sur WAD. Peut-être 15 jours. Ouais. Du coup, les gars, là, évitez, je répète, hein, parce qu'il y en a qui savent pas, mais le bump des flaques rouges au sol, ça fait des dégâts. Hein. Quand vous êtes bump, vous prenez non seulement les dégâts du bump, mais surtout les dégâts de l'aura qui fait que vous vous déplacez. Tapez vite. Parce qu'il y en a qui ont pas reset. Laura. Non, j'ai pas eu le temps. Il y a combien de PV? Ah, je l'ai tanké. Il y a combien de PV, ouais. L'AD? L'AD, ouais, je sais pas. Je vais vous dire. Rick, quand je te le dirai, tu passeras sur l'AD. Non? Il a. Ouais. Ouais, il a 51 millions. 51,7 millions exactement. Bah sinon je refais comme au début et je refais mes multidotes. Ouais, fais non, ça. Non, mais parce que là j'ai stoppé complètement le truc. Si, fais ça. Oui, tu fais ça, mais à un moment donné, tu t'arrêtes de DPS le non, boss et c'est pas le mieux. C'est toi qui va switch, comme ça. Toi. Ça change rien, moi. Microphone muted. Ah si. Goal reset, goal reset, tapez ceux qui ont pas tapé. Ça te baissera un poil ton mono sur le boss, mais au final tu continueras de kill le boss. Sinon je peux switch, hein. Ça veut dire que je suis en spé mono, hein, donc Non, spé mono. Bah, du coup je fais quoi? Je le redote à chaque fois ou... Je redote à fond, mais tu te passes dessus. Eldrick, c'est dur. Ok. Vous voulez que je mette des dots dessus aussi? Ouais, tu peux mettre tes deux dots. Ok.
Parce que moi au début je faisais ça, je faisais que mes dotings. On va voir. Faites tous vos petits dotings machin. Si on passe pas avant le deuxième marteau, faudra arrêter. Enfin, faudra limiter au moins. Allez, lance un DBM23. Putain, je crois qu'on est pas tous placés là. Non, mais de toute façon, on a 23 secondes pour se placer. Vous faites exprès les temps que vous êtes chacun à un bout de la salle pour que je fasse derrière toi. C'est pas du bon côté. Inverse avec Nora. Nora, tu vas prendre la place de Kira. Elle était où? Je sais pas. Derrière moi. Prends une place. Horizon, c'est bon. Et là, je suis super lent. Pourquoi, pourquoi vous me foutez là? La merde. On fait deux pas en avant quand on boule. On va à côté mais avance-toi, Nora, avance-toi. Mets-toi vers la lune. Trouve-toi une place là, entre Phoenix et Angela. Mets-toi sur moi. Mets-toi sur moi et j'avancerai. Ok. Sinon, tu pousses Xou et puis tu viens à sa place. Non, mais à droite de Kara, il y a de la place. Hein. À droite de Kara, il y a une place. Non, parce qu'Aldry veut mettre tous les transferts d'un côté, c'est ce qu'il a dit tout à l'heure en fait. On met du temps à pied en fait à venir au bleu et ça nous tue. Ouais. Allez, go. Donc les pachydermes, on nous a mis au cac. Voilà, c'est ça. Les gars, franchement, jouez intelligemment, faites gaffe à vos PV, vous regardez. What? Non, on va jouer comme des tubs. J'arrête de râler. Microphone activated. C'est vraiment, vous avez niqué le truc des démons. Non, c'est bon, c'est bon. Enfin, je sais pas. Ça devrait être. C'est tout juste. Ouais. Oh les mecs, les relous. C'est genre, pression, ça va peut-être pression, cool, la pression. 5, 4, 3, 2. Moi, je m'en fous là maintenant, hein. Ça fera beaucoup de jours, en fait. Okay. Pas possible que tu meurs comme ça, Nora. Bah, je l'ai oublié comme merde. Tu l'as changé sur place. Faites-lui un raid. Et rapidement. Nice le dispel. Rebuff Karak, t'es crit, s'il vous plaît. T'en dispel sur Henry vite. Oh merde. Merde, j'ai retourné. Et là c'est les gens qui meurent, c'est vous qui nous verrez. Hein. Putain, on a de la place. Ah mais j'ai chargé comme un tard. Oui, wipe, hein. Essayez de le reset. Non mais à deux cac c'est bien hein. Ah non, putain, je joue du calme. T'as pire d'âme, c'est quoi? Non, j'ai pas pensé. Oh. Essayez de faire un truc. Y'a des BR? Ouais. Non. T'as pris 616k de l'edit. Nice. Tu vas pas me dire qu'ils sont pas en dehors là? Allez, vas-y. De pute de poste. Oh, yeah. Il y a un res. Normalement, oui, Crax. Mais Dreams, tu sais expliquer pourquoi ou pas? Parce que bon, c'est un peu. Ouais, à moins que t'es seul au cac. C'est pas possible en fait, parce que l'Edith ça se split, elle était sur toi l'Edith? Non, mais dis-le que t'as pas envie de jouer avec nous. Hein. Et c'est pas possible que tu prennes 600k. Moi j'étais dans l'Edith aussi. Ouais, ça veut dire que tous les mecs qui sont dans l'Edit auraient pris 600k aussi. Hein. T'es en stuff PVP, à vous. T'as oublié de réparer ton stuff. En stuff PVP, il prend encore moins cher normalement. Ah non, même pas. Non, ça marche plus. De toute façon, t'es pas bien, Nora?
Mais tu, non, mais tu... faut que je m'adapte, c'est moi qui ai merdé. C'est juste que là, il y a beaucoup plus de flaques qui floutent mon écran et du coup, j'ai du mal à gérer mon truc correctement, mais je vais m'adapter, t'inquiète. Là, j'ai fait de la merde, voilà. Donc, je te prête un peu de skill ? Non, c'est bon. Si t'avais du skill, tu ouais, mais attends, le truc, c'est si tu lui prêtes ta touche, t'en as plus. Hein. Par contre, Ikara et Crax, s'il y a le Magic F5 Mythique qui est en train de vous la mettre, moi j'en réponds pas. C'est quoi ? Il y a le Magic F5 Mythique qui est devant vous. Hein. Ouais, mais je ça l'avais parce qu'il continue à DPS jusqu'au bout, le gars. Non, mais c'est comme s'il y avait un Andras qui était devant vous, quoi. Non, mais allô. Il serait capable de déro juste pour jouer le truc, quoi. Je sais pas, moi. En vrai, c'est comme s'il y avait. Ah, ouais, quand même. Ouais, Absalon ou un mec de la Horde de Dalaran d'en haut. Ta gueule. Et voilà. Bon, Henry, du coup, si tu veux appeler dans ses guides, je pense que la porte est ouverte. On peut y aller et on attend juste. On parle de Aria qui est en train de te mettre la bite aussi. Ah, je vois pas ça. Courage. Bah non, moi je la vois avant qu'il y a derrière moi. En plus, c'est une fille quoi. Bah non, elle a 8K devant toi. Non, non, là vous avez dit Aria, en fait c'est Neyel. Ouais, c'est pas grave. Ouais, bah ça va faire grave. Putain, on va ressortir. Moi je propose qu'on essaye un truc pour le prochain pool. On essaye de pool à zéro, les gars. Parce que je suis pas sûr qu'on y est encore arrivé. Eh, hey, j'ai déjà fait, ça marche bien. Ouais, ça y arrivera pas. Ça, c'est Eldry à tous les coups, il a tellement gratté. Mais c'est pas moi. Non, c'est Mafia. C'est Eldry. Ouais, non, mais pas, t'as pas, la pas là, je veux dire, les pré-pools habituels. Mais non, c'est pas moi. C'est Arwin. Ça. Oh, comme il pète un câble avec ça. Je lance ça des dames. Hé, hey, Alinfia, te cache pas, s'il te plaît. Putain, je fais. Ah, oui, mais il y a deux secondes. Donc, faites pas la première fois, c'est pas la peine de ravancer. Oui, parce que l'aura est pas violente et c'est le moment pour remplacer. C'est pas Henry, vous pouvez avancer quand vous faites bump, l'aura n'est pas violente et c'est le moment où vous pouvez avancer. Vous pouvez prendre, si vous pouvez éviter d'être 6 à prendre la frappe à chaque fois, ça peut être pas mal. Spell Dream. Dispel la ballon vite. Nice. Et dès que Chorizo descendra, on le dispel. Ouais, du coup, rester dans la frappe, c'était moyen. Il y a un RB, hein. Ouais, faites lui hein. On est en try, donc dès qu'il y a un RB dispo, vous le faites. Pedos. N'est-ce pas d'être. What? On dispelle les Karayari, s'il vous plaît. Karayari. Oh la. Ah merde, c'est vrai, je pouvais reset. Attention. C'est parti. Profitez-en pour répa avant de rentrer. En fait, ce que je te disais, vrai que c'est pour pas perdre de DPS. Premier bump, t'es le bump. Et quand t'es la frappe, au lieu de t'aller sur le côté, tu fais, t'avances deux fois et tu te trouves à ton emplacement initial. Et tu gagnes le DPS.
Il y aura un petit reste, s'il vous plaît. Je roule une clope. D'avance, merci. Si monsieur Météo pouvait arrêter, ce serait cool. Bon, ok, je te raise. Je suis le descendant d'un gilopétré, qu'est-ce qu'il y a? Un gilopétré, mec. Monsieur prof. C'est 18ème siècle, ça, ouais, tu vois. Ah, t'es là, Fino, hein. Ah, putain. Avec ta petite queue. C'est surtout ça qui t'a excité. Salope. Ah, putain, j'aime quand tu m'insultes. Encore, maîtresse. Ouais, ça commence comme ça, ça finit mal, les gars. Vas-y, crache-moi dessus, salope. Ok. Oui, monsieur. Je l'ai défoncé, quoi. L'autre, ça passait pas, mais lui, je l'ai défoncé, quoi. Non, le pire truc, c'est le vieux à la fin allongé qui s'arrache, qui se tire sur le téton de 3 km là. Ouais, c'est ça. Donc nul à rien, vous avez bien l'ascendance là, à ce moment-là. Enfin l'ascendance c'est l'arme. Ouais. Ouais. Tu es dans ta cave ou... Frick, je crois qu'il joue depuis ses chiottes là. Bon. C'est bon. Harry. Donc Frig en fait pareil. Non mais j'ai que t'es là. Ouais voilà. Oh. Donc Frig en fait. Je sais pas pourquoi je sens le pré-pool. Non tu... Ouais. Ouais go pré-pool. Pardon. 4, 3, 2, 1. Les tanks essaient de tonner la frappe quand on y a le marteau. On y pensait, enfin comme un HM quoi. Non mais essayez, j'ai pas dit de le faire à chaque fois mais... Si. C'est... Oula. Dispel Canox. Y'en a un qui bouge n'importe comment en tête. Sur les tanks. Mais sur la frappe vite. Ah ah, la semblance ça fonctionne sur la frappe. Mouais. Oui oui. Mais elle est pute. Nickel. Est-ce que tu fais pas one shot, ça m'arrange aussi. Mais... On continue pour montrer à l'infia qu'on peut le faire un tank ou... On continue, on va voir si John n'arrive pas à stamper devant le marteau. À combien là sera.
Ouais, non, ouais. Il y aura un res. Ouais, non, mais là, il y a la tempête, là. Non, mais je veux dire, il y aura un res de masse. Ok, il va. Par contre, Orek, c'est normal que tu bouges ta flèche au dernier moment? Ouais, parce que j'avais 3 personnes derrière moi, j'essaie de la mettre sur un peu à droite. Donc et tu me la fous dans la gueule, quoi. C'est ouais, tu vas parler. C'est soit toi, soit Kira, Krax et Eldritch, quoi. Voilà, je faisais la truc. Mais alors, je crois qu'il voulait te faire une triplette de mage. Ouais, non. Rentrez pas. Eldritch m'intéresse pas avec son cul pour ça coûte. C'est ça, toi? J'ai rien dit. Après les tanks, je vais passer pour un vieux relou et je dis pas que c'est pas toi de quoi, mais sur ce combat, si vous collez pas de CD, vous survivrez jamais tout le combat. On a 4 sacris, une vigie, une pensup, une barque. Je crois que c'est tout, mais ça fait déjà pas mal. Enfin, peut-être que. Peut-être que vous survivrez, mais un pool sur 100 quoi. C'est quoi, c'est... Quand il y a le marteau, vous prenez plus cher vu que vous prenez un tick du marteau, vous voulez qu'on mette un CD à ce moment-là? Moi je prends rien du tout. Mais non mais toi... Et l'infier non plus si on vient pas nous mettre des voids... Parce que on se plaque tous les deux pour mettre nos voids l'un sur l'autre. Pendant la tempête on recule, la void devant nous a des pop, on avance, il y a un cas qui vient mettre sa dernière void sur... Bah devant nous en fait. Donc quand on se ravance, on est obligé de reculer encore quoi. Bah quand c'est comme ça, demande un CD. Si tu vois qu'il y a un truc qui va pas. Non mais c'est CD ou pas CD, ça, on se fait bump, si du coup le, bump, là il se retourne, quoi. Il met le cône sur les distances ou sur d'autres cacs. D'accord. Il a shadow step quoi. Et le deuxième? Quoi qu'il en soit, économiser le CD ça sert à rien. Oui. Pas question d'économiser ou pas, de toute façon avec son CD c'est wipe, donc on se fait one shot. Débrouillez-vous, mais s'il y a besoin de CD, collez-les. Et puis même si on se fait pas one shot parce qu'on a, parce qu'il y a le CD, on passe in extremis, il y a une grosse vague sur toutes les distances, tu perds 3 distances. Allez go. Ouais, Shinnok. Microphone muted. Microphone activated. 5, 4, 3, 2, 1. Bravo Kira. Oh Kira. Ouais, reset tout de suite, elle sera peut-être mieux. Enfin, je suis désolé, les gars. Oh non, ça marche plus cette phrase là, c'est fini ça. Éteint. Faut attendre 2 minutes pour la bague. On a sacrifié le phoenix, les gars. Aggro derrière. Bah ouais, mais metteur continue à tick derrière, obligatoire. En fait, t'es une 3, ça va. Le temps que le boss repop et tout. Donc la bague revient. Bon, on enlève les météores là parce que ah, le boss va repop. Allez, mettez-vous dans les AOE là, comme ça, voilà. Aggro derrière. Ouais, non, par contre, coule pas encore ce derrière. C'est pas moi, c'était. Tout ça pour un trash shoot, les gars, quand même. Hein. Non, je les ai pas. Je les utilise pas. Là, finalement, on aura fait tous les trajets de. Le truc quoi, comme ça. Non, il en reste 4. Ouais, mais on les fera pas. Mais il prend quand même avec ton bijou, sinon, ta météore. Comment? Il prend avec ton trinket, ta météore. Ouais, mais il proc que quand je balance l'éruption. Si je l'utilise pas, il proc pas. Appliquez-vous, yes. C'est que des petits failles perso qui font un combeur. On a largement les moyens d'arriver en P3 et on a peut-être les moyens de le tuer ce soir. Mais au moins arriver en P3. Au moins arriver en P3. Oubliez pas la guide démo parce que si la guide démo oubliée, ça serait bête de faire un wipe. Sur ah, un vous l'avez pas la fois aussi. Là où faut la fois. Franchement, les moyens. Ouais, non, c'est pas comme ça. Alors en fait, je vous explique. Il y a une guide démo qui va servir entre le bleu, voilà, celle-là. Celle-là, elle sert pour le premier marteau
difficile à se suicider en allant du bleu à l'entrée de la salle. Et ensuite, pour la P3, le premier marteau difficile quand on ira de la gate au bleu. En gros, enfin, c'est elle fait aller-retour la gate que t'as mis à sa couture. Ok. Ah, ok, je vois. Quand on fait tout l'arc de cercle, il y en a une là. Ouais. C'est ça. En gros, le premier marteau de la fin P2, il se suicidera en allant du bleu à l'entrée. Et le deuxième, ensuite en P3, il ira du. Bref, allez go. Kara, belle pas. Gros round, crack. Heureusement qu'il rentre plus de PO aussi. Oh. 5, 4, 3, 2, 1. The Eredar are now strangers. Are you so eager to meet your enemy? On fera le dispel sur Raziel juste avant la tempête. Hein. Donne-toi dans le vent. Max, tu passes sur l'ancien, s'il te plaît. Mouais pas là. On aura. Ouais, disons. Dispel Kara. Ouais, sur l'infer, vite. Nunu, faut arrêter de courir dans tous les sens. C'est pas druide. Et même si t'es druide, ça change rien, tu prends quand même les dégâts. On dispel Dreams. Hein. Arrêtez de prendre la frappe à 15, please. Et wipe. Vous avez pas le DPS, les gars. Arrêtez de vouloir cliff sur la. Entrez pas en lance terrestre manuel. On croit pas, les gars. Mais c'est pas que moi qui reste manuel, les gars. On est deux à avoir switch sur l'ad. Merci. Mais t'es pas le seul à reste non plus. Hein. Non, mais je parlais de manière générale, Frig, je le prends pas pour toi aussi. Non, ah, non, tiens, mais bon, non, non, mais peut-être pas du switch sur l'ad. Osef. Y'a que Eldri qui switch sur l'ad, personne d'autre. Et Eldri, tu fais attention à pas switch quand c'est. Ça marche. Je pensais que ça allait passer avec Krax. Moi j'ai eu 0 proc. Alors évite de courir dans tous les sens, surtout quand t'as 10% PV, en général ça tue. Et Nora, évite de prendre des bumps. Yep. Hein? Deux.
Microphone muted. Allez, on enchaîne. La P1 c'est de la merde, hein. Il y a juste à rien faire en fait, il y a juste à avoir le DPS. Microphone activated. Donc. S'il vous plaît, jouez intelligemment avec les frappes, genre bougez, décalez-vous un peu quand c'est sur vous. Voilà, 3 dans la 5 là. Je suis rasé là. Allez, mettez-vous un mec dans le marteau là. Ouais. Donc ouais. Lui c'est 4 fois trop loin à partir de la HTT hein. Normal qu'il meurt là. Il dispelle vite Niyama. Un tel écarac s'il vous plaît. Eh vous mourrez pas. C'est de ta faute. T'as vu un tel? Ouais c'est bon. Ouais, vous pouvez wipe un. Laisse-moi le boss. Laisse-le moi. Pour un reste de masse. Même un reset. Pour répa. Ouais. Je grave mon rôle là, j'ai envie de répa de kill de lui. Quoi? T'as pas accès au répa de guild, guild là. Ah merde, c'est con ça. C'est que je suis pauvre. C'est le cas qui est sur bleu. Sur bleu, c'est Dreams et Frig. Faut vraiment que tu ailles en arrière et que tu avances. Faut pas que tu ailles sur ta gauche. Non, Frig, s'il est. Oh, lance un coup là. Hein bah, moi je fais arrière avant. C'est Dreams qui est plus près des tanks. Frig il est derrière moi, du moins il bah, est. Bah, je sais qu'il y a le cas qui est à notre droite, donc côté bleu, des fois il va un peu trop sur sa gauche. Et ça nous fait pop une void. C'est la merde ici. Moi au violet ça vous dérange pas ce que je fais pour placer mes voids. Je sais pas, je vais pas à gauche donc.
envie de te dire non. Les gens avec les frappes, essayez de vous en écarter. Non, il y a 3 quarts de gens qui meurent que de ça. La personne qui a la frappe ne bouge pas, ceux autour s'écartent pour pas la prendre quand même. En, sans traverser la moitié de la salle, vous faites juste un strafe, ça vous tuera pas quoi. En tout cas, ça vous fera moins de dégâts que la frappe. Alors là, Nora, t'aurais pu bouger, tu vois. Mieux encore plus. Ah putain. Bah, j'y peux rien, moi. Les mecs, ils ont aussi des sous-classes qui peuvent pas cancel la frappe. Un crack, c'est d'ailleurs, tu peux inviter les frappes. On peut les éviter. Avance un peu vite. Pas trop. Hein. Ouais, très bien. Oh. Vous dispelez la balonite. Allez, vous mourrez pas là. Ouais, non, je suis de la merde. Envie, car envie. Ouais, très bien. Reste sur l'infia, vite. Allez, tout le monde au bleu. Tranquille, vite, hein. On dispel le Kera, vite, vite, vite. Il est pas de CS, hein. Ouais. On va essayer de continuer. Juste mal pour toi, là. Le reset t'as vu? Hein? Le reset le boss. Le 1, le plus stupide que j'ai jamais vu. Mais faut me shield à mort. T'inquiète, t'es full CD sur Azul là. T'es sacré. Ah bah adieu. Trax, quand tu disais oublier pas de kip, c'est bien le deuxième ad kip. Oui. Oui, c'est Canox qui fait le premier, Xu qui fait le deuxième, non, et... Ça sera l'inverse, mais c'est pas grave. Vous arrivez à deux, d'accord. Oui, ouais. Bah en HM, je le fais un coup sur deux, et avant c'était... Et complété par deux. On va le faire après, à trois pour être sûr. Xu, Canox, puis Easy, et Xu, Canox, puis Shurido. Ok. Les mages, vous oubliez pas d'invie sur les frappes hein, quand vous les avez. Ça nous offre 3 frappes, les ONTFD ça doit marcher, et les prêts de semblant spectral ça doit marcher. Ça veut dire que en fait. C'est pas que ça doit marcher, c'est que ça marche là sans doute. Ouais, ça veut dire qu'il y a 7 casters déjà qui peuvent dodge la frappe. Et moi ce que je voulais dire c'est que tu m'as dit que avec l'invisibilité je peux soak la Nova, enfin je peux soak, pardon, le machin toucher finesse. Non, pas le toucher finesse, tu peux juste la frappe annihilante. Ça je le fais déjà, non, mais ce que je veux dire, le toucher finesse, tu m'as dit un truc que je pouvais faire avec. Ouais, je te fais ça, Snug. Merci. Non. Ça va. Et petite question, les gens ils sont censés la mettre où cette frappe annihilante? Parce que là, elle est côté violet, mais elle est un. Vraiment. Pas bouger. Merci. Ils sont censés pas bouger. Côté violet, les cacs du côté bleu ils arrêtent pas de venir côté violet quand ils l'ont. Mais les gens ils sont placés en arc de cercle au milieu de la salle, les casters ça peut venir n'importe où sur n'importe quel casteur. Non, non, on va là où il y avait le truc. Normalement, si ça cible un cac, le cac ne bouge pas. La frappe pète et il sort de sa void point bas. S'il y a deux cas qui sont dedans, bah les deux cas la prennent et ils sortent de leur void et ils se replacent après. Bah Frigga Dreams depuis le début, vous venez du côté violet quand vous avez des frappes. Eldry. Moi, au vrai, qui m'a dit quand t'as le truc, tu vas à côté lune. Enfin, oui, quand les cas ont... Non, mais quand tu l'as la flèche sur toi. Bah écoute ce qu'elle a dit. Bah ouais. Azu, quand t'as la flèche sur toi, tu bouges pas.
Ah, vous changez de strat, tu vas côté lune si t'es au violet, mais si t'es au bleu, tu vas la symétrie de la lune. Entre... En gros, tu vas entre mais le bleu. Mais après, qu'ils la mettent comme à distance normale ou qu'ils la mettent. Qu'ils bougent, c'est même pire si tu leur dis d'aller côté tank parce que non seulement ils doivent bouger donc ils prennent des dégâts. Ouais, mais par contre, ils touchent pas 4 casters différents, tu vois. Non, mais si, si, au récla, ça fout la. Bah, si vous êtes bien placé, normalement, vous touchez. C'est pareil que si c'était un caster. Et les casters, le cône il est large donc ils ont plus de place, genre ils font deux pas. Justement, si c'est un cac, le cône il est... Bah, il est large. Oui, mais justement, si les distances, au pire il va toucher deux distances. Non, mais là, depuis il y en a qui peuvent bouger les distances. Ils arrêtent pas de devoir danser à cause des gens qui viennent poser leur truc sur eux. Déjà qu'ils ont plein de taf. Qui vient poser quoi sur eux? Bah, à chaque fois, Frigg et Drip, enfin je sais pas qui d'autre, mais viennent poser leur truc du côté violet. Quel truc? Mais non, mais violet, gars, ça change rien pour les tanks, c'est si on le pose derrière que ça leur change. Les gars, vous les mettez pas sur les tanks. Les tanks ils sont moi, à la lune. Là, vous les mettez le temps, entre la lune et le violet, genre au vert, voilà. Comme ça, les tanks ça les touche pas. Moi je te le dis, depuis le début, les tanks ils en prennent plein. Et je pense qu'ils peuvent. Et bah, c'est soit vous le placez mal. Oui, la boule. Mais de temps en temps, en fait, il y a un bad combo au moment où l'AD le fait. Genre, nous, bah, on est à la lune. Donc, on décale soit à droite ou à gauche, suivant. Comme on veut, quoi. Et des fois, il y a le bad combo. Pile là, c'est un cas qui la met bah, entre les deux. Et c'est là où on vient de se placer. Ok, bon, allez, go. Pas difficile. Ouais, okay, on bougera plus, et puis voilà. Gros bide. Et puis je te rapproche doucement. T'as piqué là, tu fais. Harry, t'hésites pas à te dispel pendant la tempête si tu vois que ça devient chaud. Mais putain! Tu as un raid, hein? Ouais, faut le passer. Et tout le monde au bleu. Tout le monde au bleu, tout le monde au bleu, tout le monde au bleu. Prends-y, vite. Dispel sur Rizzo. Je crois que j'ai claqué mon bouclier. Les fonds de corruption au violet. Hein. Et ceux qui perdent le debuff, n'oubliez pas de repartir du violet. Alors, faire des. Contrôle l'ancien avant, parce que. L'ancien il fait rien, les gars. Ouais, non. Mec, là il s'est retourné, il m'a mis un petit clip dans la gueule, il fait pas rien. Il est pas censé te mettre un petit clip dans la gueule.
il y aura un res. Enfin, si vous avez pas le debuff. Là, l'ancien il est largement assez bas comparé à ce qu'il doit être, les gars. Le buff est à 57%, c'est normal, il allait crever là. Et c'est ce qu'il faut, hein. On peut pas faire autrement, on n'a pas le DPS sinon. Ouais. Moi je veux bien. Mais on peut pas juste faire autrement au niveau de cette frappe là. Cette frappe, je parle de quoi? Cette frappe de l'ancien. On est obligé de l'orienter vers tout le raid quoi. Bah non, elle est vers les tanks. Bah non, là elle était vers tous les tanks. Non, mais c'est quand là, en fait, ça les bump et du coup ça retourne. Ouais. Justement, tout le long de la P2, on avait réussi à bien se caler et il la faisait tranquillement juste sur nous deux, on se décalait, on se replaçait. Ouais, d'accord. Déjà, par contre, les gars, même là en DPS, ça passe au poil de cul, mais en vrai, ça passe pas parce que si vous le passez comme ça, Harry, elle a pas le temps de se placer et de mettre la 30-1. Elle peut, mais non, mais si elle peut, mais c'est pas parce que, mais c'est pas parce que elle est placée que ça semble arrêter. Parce que, en fait, ce qui se passe là, non, mais en fait, enfin, elle a beau tranquillement, comme tu dis, c'est ça change rien. Si tout le raid bouge en même temps qu'il y a le marteau qui pop, c'est-à-dire le marteau pop pile à 70%, dégâts du marteau plus le raid qui bouge, va y revoir les gars. Beau fox, non, ouais, faudrait mettre une fox. Ah, ouais, non, mais même avec le fox, c'est marrant, c'est pas un problème, non, mais je veux dire. Faut le passer genre 2 secondes avant le boss, enfin même un peu plus que 2 secondes. Ah merde, c'était mauvais ce que je t'ai filé, je pense. C'est-à-dire tu voulais me donner des AG et tu m'as donné des intels? Non mais je t'ai donné de la force là, non? Ouais, bah presque. Si tu veux, il y en a plein en BDG. C'est... Oh putain, pardon. Oh là là. J'ai vu de cast. Par contre, est-ce que vous arriverez à le tanker, genre vraiment entre les deux signes? Parce que s'il est loin, c'est pas faisable non plus. Quoi. Mais là, il y avait quoi? On l'a replacé pile entre les deux signes. L'AD et le boss n'ont pas bougé une seule fois de la P2 jusqu'au bump. C'est quoi le problème en là? En fait, il y a eu le deuxième marteau, donc celui qui fait très mal. Et en fait, bah, il y a Niedra, elle a mis sa barrière sur le boss. Et quand elle me la met sur le boss, c'est censé avoir tout le monde dedans, et en fait, il y a tout le monde qui était environ à 10 mètres de la barrière, et du coup, on est tous morts. Là, à part chipoter sur des millimètres qu'on pourra pas faire, là, on peut pas faire mieux, et c'était pile entre les deux, quoi. C'est juste le bump qui fout la merde quand la dip pop. Après, par exemple, pour Harry, elle est pas obligée de se paquer pile en plein milieu du bleu pour claquer sans ça tranquille. Il suffit qu'elle se mette à peu près vers là et tout le monde est à accès le temps que ça tranquille se termine aussi. Et après, elle vient se paquer. Quoi? Le bum déplace le boss. Le bum te déplace toi, le boss te suit. Et voilà. Bah, les gens. Le boss bougera pas, c'est l'AD, le premier AD bougeant. Le boss ne bouge pas sur les bombes. Regarde, les timers c'est les mêmes, c'est au pourcentage là. 5, 4, de toute façon, on a pas le choix, faut avoir plein de solutions. 2, 1. Oh putain. Je crois que c'est un proc. Henry, là, la vie. Je suis en reste. Retourne. On rebuffe vite. Les gars, ça va pour toi.
Dispel Saku. Harry, dispel toi. Et vous avez 2 secondes là pour le passer hein. Putain j'ai même pas eu le temps de transfert astral. Bah allez, oh. Go au bleu. Tranquille vite. Impossible. Vas-y attention. Le problème, c'est... je vous explique, c'est pas qu'elle a pas le temps de la casse. Non mais, c'est... non mais oui. Mais... je pense là. Ce que vous comprenez pas, c'est pas qu'elle a pas le temps de la casse. C'est qu'en fait, le. Oui, mais en fait, le... un tic de tranquille, ça peut pas remonter un tic de marteau plus des dégâts de déplacement. Ça peut remonter des dégâts de marteau. Ouais. Bah, vu qu'il fait quand même en général 2 millions, là il en fait un peu moins parce qu'il s'est vite placé au cas avec le marteau, mais. Honnêtement, oui. Une fois qu'il fait le désigné, les autres peuvent aller se placer. Moi je l'ai fait, il y a pas eu de souci. Oui, fait le désigné, oui. Mais oui. Ah, essayez de vous placer en avance, mais ouais, j'avais le debuff moi et malgré le transfert, je peux le temps de cloquer, je suis mort sur la frappe. Ouais. Au limite arrive fait ça, hein, bouge pas toi, tu fais ta tranquille et tu reviens après, hein. C'est pas grave si t'es okay. Ouais, on te fera un petit focus s'il y a besoin, pas de souci. Mais vu que normalement elle a le blink, après, dès ouais, qu'elle a fini la tranquille, elle blink sur vous. Ouais, go. Elle prendra 0. Vraiment qu'on. Enfin, ouais. Non, ou alors elle blink avant, puis elle tranquille. Oui, non, mais tranquille. Enfin, hein. Ouais, bon. Ouais, je vous dis, hein, qu'elle tranquille avant ou après, si on passe au poil de cul comme ça sur le marteau, c'est la beau tranquille, même toute la tranquille sous bague, ce que vous voulez, ça passera pas. T'es sérieux, mec? Je sais pas, surtout qu'il dépèse pas avec ton trinket de merde là. Ah, une nuit, n'oubliez pas d'ascendance et art sur la deuxième tempête, j'ai l'impression qu'il y a rien comme c'est. Enfin, super cher, y'a rien qui remonte. Ok, je la replace après. Harry, dispel toi si c'est chaud, faut dispel ça coup vite. Après cette frappe, on ira tous se placer. Harry, tu la prends, on va tous se placer. Ouais, nuit, attention. Allez, commencez à aller au bleu. Vite. Allez, tranquille. M. Allez. Ah,
Elephant of Corruption violet, Andromède, Phoenix, Saku, Kera. Et Crax. La bague, non? Crax Nora, pourquoi vous t'avez fait un target sur l'ancien? Est-ce que ça buff mon mono? Voilà, allez, Fantôme Corruption, un ballon rasé à la driche au réseau, vite. Le premier, n'oubliez pas de partir quand vous avez plus le Fantôme Corruption. Hein. On se remplace vite. Allez, B. Allez, SLT, allez, allez, tout vous aider, RC. RC, RC, RC. Bague, la bague, la bague. C'est fini d'arriver, c'est tout. Mon taux t'as pas marché. On reste sur Auric peut-être. Ouais, merci. Dispel la ballonne vite, vite, je sais pas. Là. Allez, faut passer, faut passer. Oh, suicide, suicide, vite, chorizo. La gate est à l'autre. Pas de vie. Je suis mort, du coup. Bon, P3. P3, bien. On est mort de quoi, ça coup? Bah, moi je pense que je suis parti trop tard, j'ai voulu vraiment timer le 0 et il faut vraiment partir plus tôt, quoi. Moi j'étais même pas dans les photos de production. Non, il finira jamais. Hein. P3, on l'a toujours. Hein. En fait, c'est juste quand tu changes de phase, il est de moins en moins puissant en fait. C'est ça. Oh, en gros, il est à 60%. Oui, il va fumer. Enfin, à partir de la P2, il va baisser. Mais en P3, il aura toujours très. Enfin, moins fort, mais on l'aura toujours. C'est ça, tu l'as jusqu'à la fin. C'est juste... Honnêtement, les gars, là. C'est de la merde, hein. On le tombe bientôt. Hein. Enfin... Après la P3, par contre, Nielrash, je pense qu'il va vraiment falloir que tu passes en clarté pour la P3. Hein. J'ai peur que les tanks. Enfin, c'est pas que j'ai pas confiance en eux, mais c'est que. Ok, ok, ouais, lui il craint rien. Hein. Non, mais le truc, c'est qu'en P3, les gars, vous avez. En fait, au tout début de la P3, votre vie elle est limitée à 20% et vous prenez 50% dégâts en plus. Et si vous bougez, vous prenez des dégâts. Et en fait, c'est le tout début qui est le plus chaud parce que vous avez vraiment 0 PV. C'est là que la clarté est vraiment forte. Hein. Moi, ça va. Là, ta prière de. Bon, après liaison, elle fait 1,17 million, je pense pas que. C'est sûr que tu vas passer plus de 5 cartes. Limite, alors là, tu vois, s'il craignait rien en P2. Comment ça clarté que la partie de la P3, mais... Max. Ouais. Lui, le canal caster, hein. Il y est plus, je pense. Ah, si. Qu'est-ce qu'il a écrit bleu. Vous avez de la chance de l'avoir, quoi. Bleu. Bon, sinon... Bah, je sais pas comment il le fait, alors bleu, ça... En DPS sans mort... Toi, t'as fait fle. En DPS sans mort, je pense que ça passe, mais... Moi, j'ai fait gueule. Bref. Quand je t'ai dit ça? J'ai dit ça, il y a 4 poules. Machin et Crax, vous suchez sur l'aide pendant le. Quoi? Non, pas forcément. Enfin, oui, si, pardon, oui, j'ai dit merci. Crax, tu. Oui, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. T'es pas allé dessus, je t'ai dit qu'est-ce que tu fous sur l'AD. Après, si un truc arrive, un truc comme ça arrive, on a quand même 2 hunt, 3 mages, vous prenez la gate, vous claquez une déterre, un IB et vous mourrez même pas en fait. C'est même pas un suicide, genre le marteau. Ouais. D'ailleurs, c'est fini maintenant. Allez, go. Je suis plus sur l'AD, Crax. Ah non, mais d'accord, mais du coup. Scoobitchins, franchement, on le tue! Ah, c'est de la merde! C'est de la grosse merde! On l'a fait 3 heures! Il reste une phase encore! Le mec ouais, qui s'en va! Il y en avait une, mais je suis mort en fait, Chorizo, du coup. Le combat qui s'est ballot en chaud en P3, tu sais.
En plus j'ai plus que 52 MS là, ouais. Vous avez vos shields troniques et tout pour la P3, y'a pas de soucis là. Là je suis à 12, j'ai mettre aussi bas quoi. Tais-toi. Méchant. Centimètres. Au repos. Normal. Il compte en MM, non? En mythique. C'est orage aussi. Toujours le match 5 mythique qui est devant. 3, 2, 1. Et bim, le strike des mages. T'es mal passé. Deux secondes. On a ça. J'aimerais pas. On dispel Nora vite. Mais... il faut le passer là, il y a un. Ça vient de le passer vite. Attention, attends, Razia, bouge pas, bouge pas. On dispel Eldry. Et on va au bleu. Et il, pendant le marteau, Harry est tranquille. Je dispel Kara et quelqu'un dispel Saku. Il reste sur l'infer vite. Allez, go dispel maintenant. Go dispel Sakune, vas-y, nice. Vous allez où? Et font de corruption, Frigizine et Eldrahari. Le sacré. Voilà. On t'offre corruption, Andromède de Reich sur les autres tracks. On dispel. Attention, il va y avoir le bump là bientôt. Prends-toi l'infier, il va y avoir le bump bientôt. Là. On dispel Kara. Voilà, je peux pas te taunt le boss. On dispel Free. T'inquiète, CD plus. Et RC. CD. Ouais, PL. Attaque et tout là. Voilà, ça passe pas. Faut vraiment qu'on soit rempli spiké en fait. Ouais, ils sont vachement espacés les signes. Ouais, mais. Vous me tenez lui. Ouais. Et... il m'y pas. On va essayer de resserrer un peu les signes.
pas faire gaffe non plus que les fonds of corruption pètent pas sur le replay. Tac. Donc vraiment là, si vous êtes pile sur les signes, vous êtes dans la barrière les deux. Hein. Nul, le SLT, tu mets de la même manière. Ouais, je le mets entre les deux signes. Ouais. Barrière. Et Dreams, oublie pas le RC, hein, c'est important. Ouais, je l'ai calé. Normalement, on aura le shield de la BAC qui sera. Tu le veux direct tout de suite ou j'attends un tout petit peu? Parce que j'attends bien. Ah bah, tu le mets direct, hein, même avant, limite. Hein. Ouais. Bah oui, de toute façon, c'est un PV que tu mets avant ou après. Ouais, mais ça aura duré quoi. Enfin... Non, mais t'inquiète, ça dure pas. Au niveau du premier rad, c'était légèrement mieux sur le trade qu'on avait fait tout à l'heure. Ouais. Parce que là, il est passé un tout petit peu après le deuxième rad, du coup, il a quand même cast un truc. Je vais envoyer moi mon étreinte. Et que ça a foutu la merde. Je vais envoyer mon étreinte sur le troisième marteau. Là, il a manqué un peu de DPS ça, sur le boss, c'est ça. Parce qu'elle était bien successful. Ça allait. C'est correct, mais. En plus. Quasi 3 millions de heal avec les 30. Après, sur l'ancien massacre, je passe en exec dessus, c'est... ça vous va? Continue. C'est en P2, non, surtout pas. Et Aurek, il y a les deux soutiens de chaman et le. Bah, si. Hein. Avec son attaque circuit, en ouais. Exec, il casse tout. Tu peux mettre quand les deux soutiens de Shaman et le soutien de Dordeki? Tu mets le tien sur la premier marteau de la P2, enfin genre sur la transi en P1 P2 et les deux autres vous les mettez sur exactement sur vos CD. Ça concorde avec le deuxième marteau donc c'est parfait. Et non on aura. Je vais la remettre entre les deux signes. Ouais, pas, on laisse le debuff sur Andromède, c'est bien, c'est un démo. Parfait, sur un cac, on disperse Andromède. Hein. Éclatez-moi ce boss là avant la prochain marteau, qu'on soit large niveau timer. Allez, Ghost Plaque, ils oublent vite. C'est des persos là, ceux qui peuvent pas. Ok, nice. Très bien joué. Là. Oh, je sais pas. Les fontaines de corruption, Zou, Frigg, Nielrain, allez vite. Thank you.
comprends. Si tu m'as compris, faut que là il soit mort à ce moment, sinon vous galérez, c'est ça. Bah là je suis passé en exec un petit peu plus tard. Si je passe un petit peu, enfin si je passe pile poil 20%, bravo. Sur la vidéo là il est encore en vie hein, BTS. Oui mais d'accord Aurek, évidemment ouais, font une chose, nous on a des problèmes. Bah là ils ont le même timer, hein. Le mob pop il casse son truc. Et tout le monde se retrouve sous une frappe hein. C'est quoi juste en même temps, bah c'est le même timer, on peut pas changer de timer hein. Et tout le monde se retrouve sous une frappe anélante et sort. Non. Mais sinon pourquoi à ce moment là vous allez pas tout au fond de la salle dos au mur, on peut pas au pire reculer hein. Même si la caméra elle va être dégueulasse et tout, au moins vous pourrez pas être bum puisqu'il va pop devant vous là. Non. Il est toujours dans le même sens j'ai l'impression hein. Ah oui. Non mais ça c'est pas... C'est pas de notre orientation, Azion. Non mais si tu te mets derrière là quand il pop, techniquement il va pas en fait, dans l'autre sens. T'as un mur invisible, Raziel, tu peux pas aller derrière le pop de la deux. T'es obligé de te faire bump hors de la, en fait vers le, en hors de la salle quoi. Ok. Si tu fais une immense anticipation, mais bon ça pourrait te coûter la vie. Quoi. Merci. Pourquoi la frappe elle va dans le raid si t'es Nymphia, si t'es vers le mur là-bas, la frappe elle est censée aller là-bas, non enfin... En fait, Eldritch, il y a l'AD qui arrive, il bump, du coup il se retrouve devant le raid et. Bah, faut que t'anticipes l'arrivée de l'AD. Non mais. J'arrête pas de te le dire. Non mais tu veux anticiper quoi, Eldry? Bah, je sais pas, tu. Non mais, les gars. Et pourquoi tu t'énerves contre moi là? Si tu montes la voix là. Bah, j'ai compris que tu sais négocier. Moi j'ai bien compris ce qui se passe, mais alors comment ça se fait là, je regarde sur la vidéo, là tu fais la frappe bien droit vers le fond de la salle, il bouge même pas en fait. Et après, si c'est un DK, y a pas un truc qui fait qu'il n'est pas bon? Bah je sais pas, peut-être une bob, je sais pas, c'est peut-être ça. Non hein. Mais si c'est un DK, je te parle. Pas un DK, si y'a Lumei, c'est vrai que... Que si c'est un DK qui tank avec le pilier de Jive, je crois que t'es pas bon. Il bouge pas hein. T'as pas de pied de givre en tank. Ouais. Et pied de givre, faut pas qu'il bombe, faut une glyphe. Alors je regarde hein. Tac, là il frappe. Bah après je vois pas, le tout premier try où ça s'est très bien passé, c'est passé juste crème hein. Là des morts. Moi j'ai eu le temps de retourner le boss, tout là, de la dévenue sur le boss, j'ai retourné les deux. Tout s'est passé nickel, y'a eu aucun problème. Bah, essayer de. Je sais pas. Moi, ce que je voulais savoir, Lymphia, c'est là. T'es bump vers le boss, t'es d'accord? Quand. Avant le bump, tu viens ici, et il bump là-bas. Quoi? Non. Pourquoi tu veux? Il va le bump vers le fond, vers les casters, quoi. D'accord. Du coup, le bump, il fait pas 3 km. Si tu reviens par ici, tu reviens là. T'es là, c'était là où t'es, il te bump de l'autre côté du boss. Ah, ça, si tu mets, ouais, c'est si pas tu mets le boss qui... Tu mets sur le côté de l'AD qu'il envoie ses boules sur le côté, c'est bien. Oui, mais regarde. L'AD est là. Toi, tu es là. Tu vas être bump là. Ça partira vers le vert, il n'y a personne. Bon, tu tankes de côté de l'AD, pas genre. Soit ça, soit on le tue avant. Essayez de le tuer avant, mais après on verra si on n'a pas le DPS.
Ouais, mais le marteau est arrivé sur Chorizo avant la P3, donc c'était wipe. Ouais. De toute façon, après, c'est un suicide ce marteau, donc c'est juste ça, Chorizo qui est... il va suicider. De toute façon, même si on était en P3, Chorizo doit suicider, hein, mais. Bon, allez, go. Envoyez un peu plus d'exec sur là, n'oubliez pas, et puis. J'ai pas placé ma statue. 3, 2, 1. Bon, on s'équipe les poules. Non, 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 j'ai repris après. C'était un javelot qui est parti en premier. Ah bah tiens, on se demande pourquoi il y avait plus de prépoule quand il était pas là, quoi. Oh, les gratteurs. Oh, Aldry, c'est pas bien. Par contre, là, au moins 1 minute 30. Pourquoi 1 minute 30 ont pas été 2 minutes en fait. Oh. Bah, tous les gens qui ont décédé de 2 minutes, ils sont réalisés. Ouais. Alors, ce qui serait cool, c'est qu'on la fasse. Faire les trajets derrière, ça fera les rajouts. Reset en chaîne. Ah, mais ça change. Pour mes orbes. Pour faire tes orbes, ouais. C'est non, mais go faire les trajets derrière, déjà tu feras des orbes de jeu. Ah, c'est vrai. Jamais, ça peut faire un rajout. Grippe un tank, Niel. On va là. On va là. Vous réutilisez pas vos 2 minutes ici, hein. Dormi qu'une nuit, toi. Hein? Moi? Oh. Si, si, je t'entends renifler. Merde. Il a pas mis sa petite laine. Mais bon, t'as ouais. Fait 2 minutes là, Grono? Tu l'as ton coton. Il y a des choses qu'il faut pas dire, quoi. Son sloggy. En tout cas, moi je retiens que Sinoc, il a peur pour ta santé. Merci, Sinoc. C'est comme une mère pour toi. Ouais, peut-être pas quand même. Mais je vous pisse à l'arrêt, maman de con. Hey, gars, une belle croix. Je ne rachète rien devant. Franchement, t'as du bol, mec. Vous savez qu'il y a un con qui a lire toutes les lettres pour le faire. Bah oui. Tu me donneras ça après, quoi. En plus, c'est pas moi qui ai plus cool parce que je coule pas au javelot donc. Ah, Vika. Nice. Mais je peux pas percuter, mais c'est pas possible. On a des gens stylés qui dodge les frappés. Hein? Deux. Range-toi, Izien. Ouais, ça fait un truc bizarre.
Comment il est venu me tuer quoi. Ouais bah ouais. Le 3-6 des engagements. Oh, putain, j'étais bien, bande de cons. Ouais. Ah non, faites pas des trucs comme ça, hein. Edith, vous avancez tout droit vers le CAC et puis. Y'a pas moyen d'avoir une lib ou un truc comme ça. Ça marche pas, les libs, y'a rien qui marche. Tu peux pas le reset. Putain, y'a du dehors. Mais... Parce que là, j'ai eu l'enchaînement, annihilation et tout. Ouais, non, j'ai. Pas dégueu aussi. Pourquoi t'as. Pourquoi t'as disengage. Parce que du coup, avec l'annihilation, j'ai dû bouger et tout. Je me suis dit, ouais, j'y arriverai pas. Ah, mais même si t'es pas ok, c'est pas grave. Hein. Si tu traverses les casters et tu sors qu'avec les casters à côté de toi. Pax, regarde le pourcentage de dégâts de la Noom Nova que j'ai fait. Par contre, le FD marche pas. Hein. Je sais pas si sur les autres l'a dit, mais le FD ça marche pas sur l'annihilation. Okay. C'est rien, non, 1.6. Bah oui, mais bah il dit que je suis complètement craqué parce que c'est mon bijou qui m'a fait le DPS là. Pourquoi tu joues Doom avant? Non, mais pas celui-là, mec. Ah, bijou archi. Contre quête archi, hein. Vous l'avez pas les autres. Mec, c'est 4% que tu deals en plus par 4% sur tes javelots. Par Finger of Frost, ouais, non, mais c'est abusé. Hein. Ah, c'est le talent ça. C'est abusé quoi. Ah, gros, pull vite là, et faites pas des trucs bizarres comme ça. Si tu veux, crack, j'ai le même sur mon reroll. Sur 13k DPS. Putain, quoi. Ouais, sur 13k, je l'ai en 726. Le truc. Gros pull là. Oh, je mange. Non mais ce mec, il perd son stuff. Tu veux que je te prête mon compte là pour jouer un autre perso? Ah non, on peut pas jouer deux fois le même compte. Je mets quand même plus de 4%. Hein. Arrête de te la mettre. Ah non, mais c'est eux qui se foutent de ma gueule parce que j'ai 4 XP en moins là, bande de cons. Bah ça change pas que t'as que 4 XP. 4, 3, 2, 1. Ouais, si t'es derrière sur les. Bien, avance un peu. Spell, sur Frigg. Faites un reste sur un des deux. Essayez de pousser un peu. Alors là, tu m'évites de claquer une impôt pour ça. Ouais, désolé. Éclater le boss là, pas de suite sur là, on est en DPS en moins. Vous avez 5 secondes pour le passer, même pas 3. Passez-vous déjà au bleu, vite. Sacré. Non, bum.
Presque ça, hein. J'ai l'impression que là, le truc, il a pop genre une seconde après le bump, t'aurais eu le temps de vite t'en passer. Non, tu l'as mis sur... Tu as tous les cacs, ouais. Tous les... Non mais, là t'as pris le bump, après t'as le temps de te déplacer. Reset, vas-y, reset. De toute façon, il aurait dû mourir, le massacreur, s'il y avait tout le problème. Vas-y, vas-y. Go ! Et je l'ai pas, de toute façon. Eh merde. Bah, mettez-vous, je sais pas... Essayez d'un vie, là, mourrez vite. Il reste quelqu'un qui prend un vie, non, personne. Peut-être en long, putain. Il n'y aura pas un BRS normalement. Ils ont pas une assez grosse box. Ah, il y a Azu qui a essayé de reset, c'est pas. Oh, mais c'est mort. Non. Vous êtes trop long à crever à chaque fois. Your pathetic defeat was inevitable. J'aime bien quand t'aimes focus avec ses frappes, quoi. Une sur deux, c'est parfait. Je le sais à chaque fois. Et les gens, là. Quand il y a un marteau, tout le monde doit se rapprocher du cac, je vous rappelle. Là, il y avait Abalone et les cacs, et il y avait personne d'autre qui s'était rapproché, quoi, genre. Tous ceux qui étaient à côté d'Abalone, vous le suivez tranquillement pendant qu'il avance avec son marteau, genre, sans courir, vous marchez doucement. X, un mur. Fais gaffe, c'est Nock. Ah non, c'est plus. Non. Ouais. Bah, je suis pas né alors. Ouais. Ouais. Bon, la frappe, c'est pas ce qui nous. Oui, c'est vrai, on va. Pose beaucoup de soucis, quoi. Oui, au pire, s'il y en a une en plus, c'est pas gênant. Puis, Ouais, t'as raison. Ça reste quand même assez aléatoire. Ouais. Et bim! Ça allez, c'est... Genre, t'as eu quoi, c'est alors, c'est qui le papa, quoi? Merde. Ah, il est nul. Aurek, il est nul. Nul, Aurek, nul. Pardon. En fait, il faut que tu récupères les 15 cadeaux. Je suis sûr que tu t'es trompé, attends. C'est mais non, contrôle V, mec. Merde, tu peux contrôle C le chat, ouais. Putain. J'ai juste à ouvrir le chat. Je me suis fait niquer la fois d'avant, je me suis dit putain, je me suis fait chier à écrire toutes les lettres, mon gars. La deuxième fois, mon gars. Bon, du coup, hein, j'attends ton petit round. Hein. Ah non, je me rentre pas, je vais me rendre. Alors, c'est moi qui rentre, c'est moi qui prends la responsabilité. De rendre, de toute façon, ouais. C'est moi qui prends la responsabilité. Allez, appliquez-vous à survivre, quoi, c'est pas compliqué, y'a pas grand chose à faire. Tout à l'heure, Crax. Les 15k à la craque, c'est tombé. Les 15k, je les rentre bien avant que vous rendiez. Hein? On regarde bien. Attends, hack le machin là. Mec, attends, j'ai pas. J'ai... Sinon, juste j'ai au-dessus, le truc avec un truc chelou. Non! De toute façon, c'était pas un round plus simple, vous rigolez là. Bah quoi? Crax, vas-y. Allez, c'est moi qui vais payer, t'inquiète. Tu veux que je te rende des PO IRL, Crax? Non, mais rien du tout. Elle est pas mauvaise carte alors. Hein? Vas-y, elle. Quoi, parler, je suis prêt, moi. T'as pas mangé. Mais j'ai le temps, 23 secondes. Ah, lancez le poule. On enchaîne. Je suis prêt, quoi. Franchement, il y a moyen de le faire rapidement. Top prêt pour... Des frappes comme ça, c'est nickel, y a personne qui les prend. Parfait. Reste sur Azel.
T'arrives à quoi, Razel? Pas de combo. J'accepte. Oh non, mais non. Faut le reset ou pas? Pas maintenant. Cool CD là, pour qu'ils attendent reset. Mon arcane Trax. Putain, que j'ai. Ouais, c'est pas que j'étais bien. Oh, le bas de combo Harry quoi. Ouais, non, mais je vais ranger, on va faire ça. Bon, Razel, on sait que c'est pas ton fight, celui-là, mais quand même. Non, arrête, attends. C'est le premier truc, attends. Je me fais res battle et instant, elle se prend le cliff quoi. Ouais. Fallait pas mourir la première fois. Ouais, hey, mec, tu veux qu'on te compte ton nombre de wipes pendant la soirée ou... Faut regarder les CD sur Bigwig, qu'on fasse les comptes, hein, Aldrin, si tu veux pas nombre de wipes. Les gars, c'est Canox qui a eu son boss bête noire, c'est Zakun, Graziel, il va pas nous faire pareil. Mec, je suis mort qu'une fois, il y en a qui sont déjà à 3-4, me casse pas les couilles, quoi. C'est trop, je suis trop... Bon, allez, lance un pool. Attends. Encore ? Ouais, une fois au camp. Je vais faire ça une fuite. C'est bon, pour moi. Un saxophone. Ouais, par quel côté? Celui qui te motive le plus, pervers. Peux déjà essayer de te prendre une bite sinon? Non, entre ça je te les laisse. Les tabourets, les saxophones, les flûtes. Bah, la bite, c'était avant les tabourets, mec. Ok, toi qui cours, Raziel. Bah, au CAC là, on est placé, ouais. 4K, commence pas à faire. Je suis sûr c'est plus dur d'esquiver de en caster. Alors, sans déconner. Non, mais c'est vrai, son côté il est vraiment pourri, les gars. Okay. C'est pas dispel. Allons dispel Adri, s'il vous plaît. Allez, avance les types là. Dispel, je réseau. Dispel Dream. Les gars, on est 3 dans les dites quoi. Bah, y'a les CAC. Eldric, Rax, Kara, faut avancer. Moi j'ai avancé avec vous sur le premier. Ouais, mais faut avancer sur les 3. On arrête à faire. Je peux pas. J'ai pas eu le temps de replacer ma statue. Mettez un BR et vous ne libérez pas. D'ailleurs, je peux en mettre plein d'heures. Acceptez pas, ouais. On dit quand c'est bien. Oh, tu peux. Mais non les gars, le marteau, faut y aller à plus hein. Et vous faites deux pas en avant, ça vous tuera pas. Par contre, ça sauvera les mecs qui sont dans le marteau quoi. Là, ça me fait quand même 355k. Donc 264k d'overkill, donc 500k. On était 3, ça fait 500k chacun, on a partagé à 3 quoi. Et les CAC, ils sont pas comptés dedans quoi. Bah en fait, il était à mi-chemin entre le CAC et les casters. Du coup, bah, les CAC, voilà. Ça les a pas pris sur le dernier tick et... Il y avait que moi qui était en train de jouer du CAC. Mais c'est parce qu'il a pas eu le temps et c'est normal, mais dans ce cas-là, il doit Enfin, c'est à vous de vous rapprocher aussi. Les CAC, ils font un petit strafe en arrière pour essayer de rentrer dans la zone, et vous, les casters, vous faites un petit strafe en avant pour rentrer dans la zone aussi. Enfin, pas rester dans en poteau en vous disant c'est zone, bon. Faut faire un gros strafe en avant, hein, mec. Hein. Bah oui, c'est moins 6 pas ou 7 pas hein, pour rentrer dans votre. Ça fait pas non plus super mal, Laura, hein. Ça va. Un transfert. Ouais, ou un transfert. Bon, ça marche aussi. Ok. Canox. T'aurais dû le laisser mourir. Je le taunte, désolé.
Bon, bah voilà. Oh putain. C'est dommage, hein. Comme par hasard. Au moins, le cadeau, c'est les petits. Sans déconner, quoi. Aïe. En tout cas, je rigole bien. Sélection naturelle. Si vous pouvez, on peut arrêter de faire de la merde, genre on a fait des poules en P3 quasiment, genre on a fait des belles P2 et là on n'arrive pas à passer une P1 parce que ça fait n'importe quoi. Faut vous concentrer, enfin. Non mais désolé pour le petit pool, je regardais mes logs du dernier. Enfin ouais. T'as pas d'excuses. Ouais, désolé. T'as vu. Non, c'est un 23. Vous êtes prêts, aidez-moi là? Ouais, pour moi. Voilà, c'est bon. Ouais. Donc, tous les gens qui sont proches du marteau, vous avancez avec. Vous dites pas, il passe dessus et puis il va jusqu'au cac. Il y a que 4 cacs, hein, même. Non, même... il y a 2 tanks aussi. Ouais, mais ça fait 6, c'est pas non plus. Ouais, faut être au moins 8, 10. Hein. Top prêt pour. C'est bizarre parce que sur la vidéo que tu nous as linké, il avance pas les mecs. Mec, ça dépend. Le mec il est déjà au cac, et bah ouais. Ils avaient peut-être plus de cacs que nous. Bon, à 4 cacs, c'est pas possible de stocker 4. Là, définis la tribu. Avancez, et tous les mages là qui sont à droite, là vous avancez avec lui. On dispel Eldry. On dispel Crax. Oui, ça marche mieux. Allez, on se remplace. Allez, il faut spam le debuff. Hein. Attention, vous faites ça. Dispel. Eldry, tu fais attention pour prendre trop de dégâts. On dispel Eldry maintenant. On va le céder, moi. Ouais, c'est Kara, ça. Ça reste vite sur Razel. Faut replacer les gens, c'est un placement. Ah, mais Razel ou... Ah, possible. Bah, je sais pas, regarde tes PV, si tu vois que t'es à 5%, t'arrêtes de bouger. Bah, je me claque un CD, tu te fasses colo, toi. Bah, t'arrêtes de bouger, t'attends qu'on te remonte. Allez, vite au bleu. Fais le sacou. Passez-vous bien sur le bleu. Hein. Et là, vous êtes allé loin. Hein. C'est sacré. Hein. Ouais, faut une production de placebo. Ça va bientôt être le full CD maintenant. Allez, tout le monde dedans. Hein. Même si t'es resté dans les fonds de production alors que tu l'avais plus, je sais pas. Ok. Le BL, tout ça, c'est quand là? J'ai mis, hein. Vous êtes foussédé là? Ouais. Oh, les assist heal là, envoyez le truc. Hein. Et les fonds de corruption qui étaient avec moi là, vous vous barrez là? Ça fait déjà 2 fois que j'ai été. On va terminer. Mais... Dispel sur la ballon vite. Dispel le boss. Vous pouvez faire ce que vous voulez, à 52% il descend pour 1. Il a fait le déclic là je suppose. Oui.
Ouais, il m'a fait le dékick, moi je me suis gardé mes targets debuff, hein. Aussi. Pardon, c'est d'où? Quand j'ai fait mon kick, en fait, il est resté, il est pas revenu sur l'ancienne. Donc j'ai fait du DPS mono sur l'AD comme un con pendant un bon moment. D'accord. Oui, mais en fait, full CD, tu vas retourner avec les bleus. Hein. C'est pas full CD, ça veut pas dire tout le monde au violet, ça veut juste dire vous mettez les bleus au bleu et les violets au violet. Ils sont suffisamment proches qu'on ait les CD au bleu et au violet en même temps. C'est le principe en fait. Après, quand vous perdez votre debuff, vous reculez bien avant de retourner au bleu. Non, tu vas direct au bleu. Je l'ai posé. Debuff ou autre option, vous ne réfléchissez pas, hein. Vous l'avez ou vous êtes au violet, à la seconde où il part, vous repartez au bleu. Bah non, la fin. Sauf qu'à la seconde où il part, même s'ils partent, ils vont quand même prendre les tics des autres. Ouais, c'est ce qui m'arrivait tout à l'heure. La seconde où il part, même s'il part. C'est le truc qu'il a fait. Oui, non, mais en fait, faut vous débrouiller pour que quand il vous reste une seconde, vous êtes entre le violet et le bleu, et à la seconde où ça. Enfin, vous faites le trajet, en gros, quand il reste une seconde, vous commencez à y aller, quoi. En gros, je vous explique. Votre debuff fait des dégâts aux personnes de vous quand elles cassent Tainted Shadow. Donc vous réfléchissez, il vous reste 3 secondes sur votre debuff. Vous regardez le boss, si elle casse Tainted Shadow, vous restez là où vous êtes parce que ça va cleave autour de vous. Si elle ne le caste pas, vous pouvez déjà bouger et partir. En 3 secondes, tu peux partir à chaque fois. Voilà, normalement, de toute façon, c'est timé pour que vous puissiez partir juste avant la fin. Et si par je sais pas quel bad combo de timer, de machin, au moment où vous dites tiens, il me reste 3 secondes, elle caste pas, j'y vais, puis je resterai 3 secondes là-bas, et vous voyez qu'elle commence à caster, même là, vous avez le temps de sortir. Quand vous êtes au bleu, vous voyez qu'elle commence à casser Tainted Shadow, vous avez toujours le debuff parce que vous avez un peu anticipé trop, et bah vous sortez du raid vite fait, et puis c'est tout. Ouais, mais sauf que là, Eurek, ce que je te disais, c'est que ça a tombé en exactement en même temps que. Enfin, que le full CD, quoi, j'avais pas le choix en fait. C'est quoi, dans tous les cas, quoi le rapport avec le full CD, ouais. Non, mais je mourrais dans tous les cas en fait. Bah non, comment c'est pas le rapport avec le full CD. Tu places correctement, le full CD, c'est... toi, ça te concerne pas du tout. C'est ça, si tu vas au bleu alors que t'as plus le debuff, bah tu serais pas. Ouais, mais j'avais encore le debuff en fait. Pas possible. Il allait finir en fait. C'est du binaire. Tu l'as pas, t'es au bleu. Là, t'es au violet. Ouais, go pour l'instant. T'avais encore le debuff, tu serais pas fait one shot. Et si tu l'avais pas, bah tu serais. Je l'avais. Bah, c'est pas possible. De toute façon, t'as chaîné à colle à chaque fois. Hein. Je regarderai les logs, hein, je te dirais, mais. Ouais, tu regarderas. Oh le gars, c'est dégueulasse. Pas de pré-pot en P2, c'est super pénalisant. Dispel sur Nayeldra, s'il vous plaît. Dispel sur Razel. Razel, si tu faisais pas des vols planés dans la salle aussi, tu prenais moins de dégâts. Allez, on avance avec le marteau. Dispel sur Nayeldra. Eldri, attention à toi. Ok. Reste sur Eldri. Pas papa, s'il vous plaît. Allez, go reset. On va essayer de faire un pull propre. Non. Des. Ah, ouais, on va plus garder. Je sais pas, mourir vite ceux qui ont pas d'envie là. Je secourais dans toute la salle et. Si on a d'envie, essayez d'en venir. Kiara, Izzy, Chorizo, comme sur vous. Ah, il court. Vous pouvez me dire de quoi vous mourrez, Aldry? Je regarde. Je sors, c'est. Non.
Combien t'as fait l'aura d'oppression, combien t'as fait le marteau et combien t'as fait la frappe annihilante? L'oral m'a fait 35K, c'est pas ça? Non, ça, ça va. L'édict, j'ai pris 130K. Ok, ça c'est normal. Rappelez au moins. L'ancien. Searing, je sais pas quoi là. L'ancien. Ancien enforcer, searing, un truc. Ok, en gros, t'as TP trop loin, t'es arrivé devant le mob, t'as one shot. Avec sa frappe. En gros, c'est ça. Oh bon. Pas désolé, là. Et Dreams. Searing Blaze x 2. J'ai annihilation. Et tu... Annihilating Strike. Non, non, t'es resté dans... Bah c'est moi qui ai eu l'annihilation. Oui, bah c'est toi qui avais l'annihilation. Ça t'a pris 225k, ok. Par contre, bah, t'as pris 2 Searing Blaze, donc c'est 49k et 80... T'as pris en fait 375k en 3 secondes. Ouais. Ah, là, il s'est mal branlé, il était légèrement sur le côté aussi. On peut faire un TP là pour voir si. C'est ça qui est bon. En fait, le plus chiant, c'est que même si tu te mets genre face à lui, pile sur le boss, des fois il reste sur le côté en fait. Genre il se met pas tout le temps face à toi. Les gars. Faut c'est des persos, c'est sur le marteau plus la frappe là. T'es en fil de l'épée, Dreams, là, quand t'es mort? Retail, je sais plus. Je sais non. Plus où j'avais. Enfin, tu l'as mis en fait de... trop tôt. J'ai mis peut-être un peu avant, ouais. En fait, tu l'as mis avant les dégâts. Du coup, il a fail de 2 secondes avant que les dégâts arrivent. Ouais. Donc, c'est ta faute. J'ai anticipé. Allez! Un petit proc de... J'en ai jamais, moi. Faut jouer avec le Doom Nova en... Ouais. Ah GG, pas de pré-pool. Pas de pré-pool. Allez. Nice ally. Et on avance avec lui. Enfin avec elle, du coup. C'est pas d'easy. Très bien. En place, Chorizo, attention à toi. Et là vous survivez. C'est des cracks, invite, tu l'as. Ouais, ça va. Dispatch Chorizo, allez éclater le boss là, on essaie de le passer rapidement s'il vous plaît. Oh là là. Reste sur l'infia. Donc. Ouais. Attends. Et vite, tranquille. Ah, vous bougez pas. C'est pas des questions.
CD. Sauf quoi, option, placez-vous bien. Non, mais tu dois pas être bien placé la vue dégâts que tu prends. En deal le boss ou quoi non? Parce que. Enfin, je sais pas, il est censé être à 40%. Là, vous avez 10 secondes pour le mettre à 40%, il est encore à 50 points. Le fucking mad, il était dans mon dos, j'ai spammé le kick. Enfin, whatever, on est... il manque la moitié des gens. Bah, whatever, ils meurent par leur faute. Hein. Il y a un res ou pire. Je sais pas. Je veux bien qu'il y ait des bas de combo, mais. Après, il y en a qui sont morts 10 fois dans la soirée, il y en a qui sont jamais morts. C'est des gens qui savent pas se déplacer. C'est les derniers poules à sa cour. Gentil de bourrer. Ouais. Bon, la FIA, je passe un truc là, je sais pas. Attends, t'écoutes. Quoi? J'étais bien moi sur la con. Ah non, justement, c'est toi qui avais peur là, tu voulais garder la bague et tout. Pauvre ta tête. Quoi qu'il en soit, faut trouver une solution quoi. Très bien. Bon, ça va être la semaine prochaine, on va choper 8 boss de stuff en plus, hein, 9 boss pardon, de stuff en plus, donc normalement, on aura un poil plus de DPS, ça passera un poil moins au cul. Bah, surtout choper un secrétaire mythique, les gars. Ouais, moi j'aimerais bien changer de secrétaire en équipe. Ouais, bon, Elric qui part, je sais pas. Hein. Moi je vois quand même la mettre aux deux autres mages XP 9 mythique là. Je sais pas s'il y aura un moment d'apply du coup. Tu peux linker les logs s'il te plaît, Canox? Orek? Oh putain, mec, me comprends pas avec ce mec. Oh, tout de suite. Je me déçois. Ça, c'est parce que vous avez pas répondu à mes questions. Mon cul. Pou. User disconnected from your channel. On aurait tellement peu de. Bonne nuit. Bonne nuit. Disconnected. De prendre des petits levels comme ça. Mais après, là, en l'occurrence, ça a l'air d'être pour des œufs, hein, donc bon. Ouais. Mais maintenant qu'on en a bien profité, je vois pas trop l'utilité qu'on en a, quoi. Ok, mis à part si pour les vendre par la suite, mais ce sera pas ces œufs-là qui seront recherchés. Elle m'explique la vie. De... la vie de Arc. La vie de Arc. Donc ok, donc pour l'instant je dis que je me mets de côté le mammouth et un oiseau de ouais. Niveau. Ah, le mammouth en plus il est level 63 et plus haut que Mani. Puis il me plaît bien ce mammouth, c'est peut-être le fait d'avoir fait tellement d'allers-retours vers lui pour le charger, ça crée un lien. C'est encore mieux que le Tam. Voilà ouais. Est-ce que tu sais ce qu'il a trouvé Joe dans un des coffres de ce compi? Un gros coffre! On va pouvoir faire un deuxième coffre.